Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Luc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire. Je vais vous apprendre comment mettre un texte en couleur et comment mettre un mot TD en couleur. Alors pour commencer, nous allons voir les couleurs. Alors déjà, les couleurs, ça va pas être trop compliqué. C'est le E. Vous voyez le symbole E que je vais mettre à l'écran. Et vous mettez un nombre. Ce nombre ou une lettre permet de faire une couleur ou un effet. Donc ce qu'il faut savoir par contre, c'est que quand vous mettez une couleur et que vous voulez mettre un effet, vous ne devez pas mettre l'effet avant, vous devez le mettre après, sinon la couleur va tout réinitialiser. Pour avoir les couleurs sur votre serveur, il faut déjà disposer du plugin Essential Chat, qui est normalement fourni avec Essential. Pour avoir une idée de ce que vous devez mettre pour avoir une couleur, il y a par exemple avec Essential, avec les kits, si vous faites le slash kit color, vous pouvez voir les couleurs et les effets qui sont associés à chaque lettre. Maintenant, attaquons-nous au mot TD du serveur. Alors déjà, il va falloir mettre une nouvelle lettre. Enfin, ce ne sera pas une lettre, mais plus une combinaison de lettres que vous allez devoir mettre dans votre serveur.properties. Et avec celle-ci, eh ben, vous pourrez faire les couleurs. C'est tout simple. Une fois que vous avez terminé de mettre dans votre serveur.properties votre message avec les couleurs, vous n'avez plus qu'à redémarrer le serveur. Et voilà, vous avez un message en couleur.